Je crois qu'il a juste assumé d'avoir autoclick sur un des fights, mais bon, Ziblacking il est connu pour ça et tout. Enfin, un autoclick sur Minecraft, on va dire qu'il y a les... il y a beaucoup de gens qui en utilisent. Pour moi, c'est pas un cheat un autoclick. Pour moi, que tu fasses 8 CPS ou 14 CPS, j'ai l'impression que ça. Dans le deuxième clip, j'avais un autoclick, mais voilà quoi, j'ai la flemme de cliquer. Enfin, là pour le coup, il cheatait pas. Enfin, là pour le coup, il cheatait pas. Gros bouffon. Salam. Les fêtes de Mitsuko, faites du bruit, s'il vous plaît! Oh putain, mais Squeak! Retourne de suite dans ta cage avec Canel et Grégory! De suite! Je vais faire une vidéo! Allez, file, tiens, un peu de foin! Je vous souhaite à tous une bonne nuit, hein. J'ai le cancer, donc peut-être que demain je serai pas vivant. Donc ben, mettez des pouces bleus. Eh bien salut. J'espère que vous allez bien, je suis encore malade, je suis vraiment désolé. Enfin, franchement je suis beaucoup moins malade qu'avant, j'ai eu 42 fièvres, je vomissais 20 fois par jour. Alors j'aurais pu faire une vidéo où j'amuse la galerie pendant 10 minutes, voilà, comme dans l'intro, mais je préfère quand même passer un message dans la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Alors, d'abord avant de commencer, je tiens quand même à vous dire que ce sera la dernière vidéo drama entre guillemets. Je veux plus de ça. Je veux m'améliorer en montage, faire de bonnes vidéos, satisfaire mon public et pas faire des trucs de gamin à 18 ans. Mais malheureusement j'ai des mecs de 30K qui m'attaquent alors que j'ai absolument rien fait sans aucune raison. Juste pour m'attaquer justement et me descendre. Donc beaucoup de gens m'associent au drama. Moi je n'ai jamais fait de drama sur ma chaîne, je n'ai fait que des réponses. Donc je sais ça va en faire rire plus d'un. Oh mais je ne fais pas de drama, je ne fais pas de drama. Trouvez-moi une vidéo où j'attaque quelqu'un. Joker il m'a attaqué, j'ai répondu. Moi à partir du moment où on m'attaque après tu ramasses, c'est normal. Ziblacking il m'a attaqué avec son exposé date de balle. Je lui ai répondu sur une vidéo, la vidéo Inspecteur Saucisse. Que dire, Legas m'a attaqué. Bon maintenant on s'entend mieux mais il m'a attaqué sans aucune raison, j'ai répondu. Nerewin et CTXR ils ont fait une vidéo sur moi aussi. Enfin voilà, moi je n'attaque personne, je suis dans mon coin, je veux faire mes vidéos, j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Voilà, c'est le message que je veux faire passer en début de vidéo. Laissez-moi tranquille, je m'en fous de vos dramas à deux balles. Les gens qui vivent sur le drama, moi j'ai pas besoin du drama pour faire des vues. Vraiment pas, voilà. Donc Minsko, sur Twitter récemment déjà cherché les dramas H24, hein, il s'amuse à drop des photos de ma mère, à menacer que si je fais suspendre son deuxième compte, parce que j'ai fait déjà suspendre son premier compte Twitter, parce qu'il s'amuse à Amdox, à mettre des photos de toute ma famille sur son Twitter, ben moi je me suis pas permis de faire ça. Never c'est permis, mais bon, moi je m'appelle pas Never, donc j'en ai rien à péter. Qu'il avait récemment, il a redrop une photo de mes parents, donc je lui ai menacé de faire suspendre son compte. Il m'a dit, bah tu fais suspendre mon compte, en gros je vais aller sur mes doubles comptes pour faire les jeux des 7 différences, je sais pas quoi. Enfin bref, il fait ses blagues à 2 francs. Mais le problème c'est que là il a fait une vidéo, alors et la vidéo s'appelle Me chouer et la BL Squad les plus gros bouffons de Minecraft, où il dit clairement, en gros que ma vérif, enfin que la vérif de ma vidéo c'est du bullshit. Nanana, il a pas cheat, alors que Ziblacking lui-même dans la vidéo dit qu'il cheat. Mais bon, les pigeons, les moutons qui ont vu la vidéo de Minsko ont tout de suite couru sur ma vidéo. J'ai mangé 650 dislikes en 2 jours à cause de lui. J'en avais que 110 pour 60 000 vues. Enfin, c'était très propre. C'est un très bon ratio. Pour 7 000 likes, j'ai bouffé 600 dislikes à cause de lui. Parce que lui, en fait, son but c'est pas tout simplement de faire le bien, mais de me descendre. Il est ami avec toutes les personnes qui m'aiment pas, donc il s'allie entre eux, tous ceux qui m'aiment pas, parce que enfin moi je les aime pas, du coup on s'aime pas. Et du coup ils s'allient tous entre eux pour me descendre, disant que ma vérif c'est du bullshit. Alors déjà de une, plusieurs fois dans la vidéo je dis je ne sais pas vérif, bien demandé si le prodigieux était sûr. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est ma dernière vidéo, allez la voir hein. Donc j'ai bien dit plusieurs fois, est-ce que le prodigieux, est-ce que c'est celui qui a vérif Ziblacking qui l'a banni? Est-ce que t'es sûr que c'est du cheat? Nanana. Qui m'a dit oui c'est du cheat. Nerewin je lui ai demandé, il m'a dit oui c'est du cheat, tu peux upload, nanana. Donc moi j'ai upload. Je vois pas où est le problème en fait que je peux être ça. Attends, j'ai pas été chercher la vérif, hein. J'ai pas dit Ziblacking viens, je te vérif. C'est Ziblacking, il m'a duel sur cet LCR. Moi j'aurais jamais été duel, je m'en fous. Il m'a duel, j'ai trouvé bizarre, je lui ai dit ouais t'es chelou, il m'a dit de le vérif, après il m'a appelé sur Skype. Et bon, c'est parti en vérif. Et on a trouvé un cheat, bah j'ai upload. Où est le problème? Quand Cause, Zello, Shazen font des putains d'admin série où ils ont juste allé dans l'historique, ils trouvent un petit autoclick ou un Uzuni, ils bannissent la personne, upload et l'humilient devant des centaines de milliers de personnes, personne dit rien. Personne dit rien alors que c'est y a aucune preuve. Tu peux très bien télécharger un jour un autoclick, l'essayer et plus l'utiliser, laisser dans ton historique parce que t'as rien à cacher. Et tu te fais ban pour ça. Et moi, attendez, on a trouvé des logiciels de lag. Il a avoué avoir autoclick dans les fights. Et on me dit à moi que je suis un rageux. Ben oui, je sais pas vérif, mais je ne suis pas un rageux. J'ai juste fait le constat. Le prodigieux m'a dit qu'il cheatait. C'est un modo, c'était le serve qui est reconnu, qui fait des logiciels à 2 balles, j'en sais rien, moi je m'en fous. Eh ben, c'est pas mon problème, allez l'insulter lui, arrêtez de me casser les couilles. Et Minsko qui profite de ça. Et il sait très bien qu'il profite, ce petit fils de pute. Et il va sûrement faire une vidéo pour me répondre. Mais là, je répondrai plus.
toute façon, il va partir hors sujet parce que lui, c'est un gros drama fan. Il va partir hors sujet. Il va trouver d'autres trucs pour me descendre. Il va même plus parler de cette affaire. Il va parler d'autre chose. Enfin, lui, c'est un malade. Donc, je vous invite vraiment à pas vous faire manipuler une nouvelle fois. N'écoutez pas ces vidéos à deux balles où il raconte sa vie pendant 20 minutes. Pourquoi les gens cherchent les dramas? Expliquez-moi pourquoi. Même vous êtes les premiers. La dernière fois, il y en a un, il est venu sur Twitter. Ouais, Zélo, il t'a insulté dans sa dernière vidéo. Cause, il t'insulte sur Twitter. Je vais voir. Il y a personne qui m'insulte. C'est des fous. Ils cherchent les dramas. Et ben, Mitsuko, il me fait penser à ça. C'est genre, il adore provoquer les dramas. Et enfin, même lui, de toute façon, il s'en cache pas. Il dit sur Twitter, ouais, moi j'aime bien les dramas, etc. Surtout avec Mushu, il me fait de la pub. Ben, ça l'amuse. Mais moi, c'est vraiment pas ce que je veux. Donc, je ne lui répondrai plus. Voilà. Enfin, bref, il y a vraiment beaucoup de manipulation. The Black King, bon, lui, il a fait son cirque habituel. Mais bon. Maintenant, c'est un malade mental, je vais même pas en parler, mais c'est vraiment le Minsko qui a 30 000 abonnés boosté par cause et qui se permet ensuite de venir m'attaquer alors que je lui ai rien fait, je ne l'ai jamais attaqué sur ma chaîne. Franchement, lui, c'est vraiment une grosse merde à mettre bouffon dans le titre alors que j'ai rien fait, j'ai rien demandé, à faire de la manipulation de masse, à vouloir me détruire, donc bon. Je vous invite à plutôt mettre dans le panneau, à essayer de réfléchir par vous-même. Merci en tout cas à ceux qui soutiennent, voilà, je vais faire une vidéo de 6 minutes, je suis un peu malade, bon, j'essaie de pas tousser, donc je parle super vite. On dirait un peu que je m'excite quand je parle peut-être, mais c'est parce que vraiment j'ai la voix un peu cassée et que j'essaye de plier ça le plus rapidement possible, voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que ça vous a éclairci pour certains qui étaient dans le flou. Je cherche pas du tout à récupérer mes subs qui sont des subs, bien au contraire, vous pouvez rester des subs. Et vous sub à Minsko, pardon. Et n'hésitez pas à faire votre cri de guerre, hein.